star de la saison 6 de L'Amour est dans le Pré, Jean-Michel a donné de ses nouvelles sur TFX. Dans le programme Après la gloire, que sont devenues les stars de télé-réalité? L'ancien agriculteur est revenu sur son envie de se suicider après la liquidation de sa ferme. L'heure était à la confidence pour Jean-Michel. Star de la saison 6 de L'Amour est dans le Pré, l'ancien agriculteur a donné de ses nouvelles sur TFX. En effet, pour le programme Après la gloire, que sont devenues les stars de télé-réalité? Diffusé le vendredi 25 août, il a accepté de revenir sur son histoire qui n'a pas été de tout repos. Souvenez-vous, pendant sa participation à l'émission de M6, l'éleveur de vaches laitières pensait avoir trouvé l'amour mais il n'en fut rien. À l'heure du bilan, il avait annoncé être reparti dans sa ferme, seul. Un coup dur pour Jean-Michel qui a néanmoins réussi à le surmonter avant d'être frappé par un autre drame, celui de la liquidation totale de sa ferme. En 2014, son exploitation n'est en effet plus rentable et l'agriculteur croule sous les dettes. Pour s'en sortir, il met alors sa ferme en liquidation judiciaire. C'est vrai qu'aujourd'hui je ne travaille plus dans l'agriculture mais j'ai toujours l'âme dedans. Confie-t-il. À l'époque, Jean-Michel enchaîne les petits boulots, éboueur, vacher, responsable d'une déchetterie. Mais au fond, ça ne va pas. Après la diffusion de L'Amour est dans le Pré, Jean-Michel vit des années terribles. À son compte, l'homme est à la tête d'une trentaine de vaches sur 45 hectares, assez peu pour une ferme. Très vite, le rendement n'est pas suffisant. Jean-Michel survit. Je me prélevais que 150 euros par mois. À la fin, je ne vivais plus. Explique-t-il. Jean-Michel, j'avais mis une corde. C'est à cause de la baisse du lait que Jean-Michel ne parvient pas à joindre les deux bouts. Les huissiers viennent alors saisir ses vaches et il perd tout au point de penser à mettre fin à ses jours. J'ai failli me pendre. Il y a un grenier au-dessus, j'avais mis une corde et tout, prêt à me prendre. J'avais mis un papier à la factrice pour lui dire que je serais pendu là. Après je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que je verrais si je reprends goût à la vie et aujourd'hui ça va mieux. Assure-t-il. Effectivement, celui qui habite désormais près de Tours depuis septembre 2020 n'a plus de dettes. Et même s'il n'a toujours pas trouvé l'amour, il se considère comme un homme heureux. But there's all times through the rough times I've been.